Les trains roulants sont les deux ensembles mécaniques, le train avant et le train arrière, qui assurent les liaisons entre le véhicule et la route. Pour assurer correctement ces fonctions, les roues de chaque train roulant doivent se trouver dans une position bien précise par rapport au sol. Cette position est en dynamique, c'est-à-dire en roulage, celle qui assure le meilleur comportement routier. Elle prend en compte la déformation des articulations élastiques, la réaction des pneumatiques et les variations de suspension. Pour des raisons pratiques, cette position est définie en statique par des mesures forcément différentes parce que n'étant plus soumise à des contraintes et dont on trouve la valeur dans les tableaux de contrôle. Les paramètres géométriques correspondant à ces positions peuvent être visualisés sur trois plans orthogonaux. Vue de face, le carrossage, l'inclinaison de pivot, l'angle inclus, le déport au sol. Vue de côté, la châsse. Vue de dessus, le parallélisme, l'épure de direction, la position des essieux. Le train arrière n'utilise que certains de ses paramètres, carrossage et parallélisme. Analysons chacun de ces éléments. Le carrossage, c'est l'inclinaison de la roue par rapport à la verticale ou l'angle formé par l'axe de fusée et l'horizontale. Le carrossage est positif lorsque les roues convergent vers le bas. Il est négatif lorsqu'elles convergent vers le haut. Le carrossage des roues avant est à l'heure actuelle proche de zéro ou faiblement négatif. Au contraire, on trouve fréquemment un important carrossage négatif sur les roues arrière, ce qui améliore la stabilité. La stabilité est compromise par la dérive des pneumatiques. La dérive a pour origine la déformation des pneus lorsqu'ils sont soumis à une force latérale. La trajectoire réelle forme avec la trajectoire originelle un angle appelé angle de dérive. Illustrons la correction que peut apporter le carrossage. Si l'on pousse la roue inclinée en carrossage positif, elle glisse. Lorsque la roue est inclinée en carrossage négatif, elle freine. Le carrossage induit sur chaque roue un effet de cône. Celui-ci tend à écarter la roue de sa trajectoire. Il provoque en même temps une usure en cône. Une modification du parallélisme compense les inconvénients induits par le carrossage. L'inclinaison de pivot. C'est l'angle formé par la verticale et l'axe de pivot. Il permet le rappel de la direction lors des braquages à faible vitesse. Lors du braquage, le véhicule se soulève puisque l'axe est incliné et l'effet de son poids crée un couple sur l'axe de pivot qui a tendance à ramener la roue en ligne droite. L'angle inclus est formé de l'addition de deux valeurs, inclinaison de pivot et carrossage. L'angle inclus peut être exprimé d'une façon différente. Il représente alors l'angle d'inclinaison de pivot auquel on ajoute le carrossage, angle que forme l'axe de fusée avec l'horizontale, plus 90 degrés. L'angle inclus est obtenu à la construction par la forme du pivot. Une valeur hors tolérance indique que le pivot est déformé. Le déport au sol. C'est la distance au sol entre l'axe d'articulation du pivot et le centre de la surface de contact du pneumatique sur le sol. Le déport est positif lorsque le point de contact de la roue avec le sol est extérieur à l'axe de pivotement. Nul si les deux axes coïncident. Négatif lorsque le point de contact est intérieur par rapport à l'axe de pivotement.
La valeur définitive du déport au sol est obtenue par construction à l'aide des moyeux complétés par les roues. La valeur du déport de chaque roue est indiquée par un marquage. Il convient de se méfier des panachages de roues en cas d'instabilité au freinage. La chasse. La chasse est l'angle formé par l'axe de pivot et la verticale, le véhicule étant vu de côté. L'angle de chasse est positif lorsque l'axe de pivotement est incliné vers l'arrière. Il est négatif dans le cas contraire. Son but est de placer l'axe de pivotement de la roue en avant du point de contact du pneu au sol. L'écart séparant les deux points est appelé chasse-distance. C'est cette distance qui provoque, en dynamique, le rappel des roues en ligne droite. Sur cette maquette, la chasse est nulle. L'axe de pivot et le point de contact au sol sont confondus. Si l'on braque la roue directrice, l'ensemble va se montrer incapable de reprendre une trajectoire rectiligne. Sur la même maquette, la chasse est réglée pour que l'axe de pivotement vienne en avant du point de contact avec le sol. Lors de la manœuvre, la roue se trouve en remorque et reprend sa trajectoire. L'angle de chasse est positif. Suivant ces options, un constructeur peut adopter un angle de chasse négatif. Il y a lieu dans ce cas de désaxer la roue par un déport pour retrouver une chasse-distance positive. Le parallélisme. C'est l'angle que forment le plan de la roue et l'axe longitudinal du véhicule. Le parallélisme peut être exprimé en millimètres. C'est alors la différence de distance entre les bords avant et arrière des roues d'un même essieu. Il y a ouverture si les roues convergent vers l'arrière du véhicule. On dit alors que le parallélisme est négatif. Il compense le carrossage négatif. Il y a pincement si les roues convergent vers l'avant du véhicule. On dit alors que le parallélisme est positif. Il compense le carrossage positif. Un déréglage du parallélisme provoque le ripage des pneumatiques en ligne droite et entraîne leur usure rapide, surface de contact rugueuse. L'épure de direction. Afin d'éviter le ripage en virage, les roues d'un véhicule doivent parcourir des cercles ayant un centre commun. La roue directrice extérieure décrit un cercle plus grand que celui de la roue intérieure. Son angle de braquage est donc plus faible. Cela est rendu possible par l'orientation des leviers de direction qui forment par rapport à chaque roue un angle constant obtenu en fabrication. Le tracé théorique est dû à l'ingénieur Gento qui a déterminé que le prolongement des leviers de direction devait se croiser au centre de l'essieu arrière. À l'heure actuelle, et pour tenir compte de différents facteurs, déformation des pneumatiques en virage, véhicule à traction avant ou propulsion arrière, caractère sur ou sous-vireur que l'on souhaite trouver, le point d'intersection peut être trouvé soit en avant, soit en arrière de l'essieu arrière. Il existe d'autres éléments liés à la géométrie des trains roulants, mais dont l'incidence est ressentie en dynamique. Ce sont la hauteur de crémaillère, la position des essieux. La hauteur de crémaillère. Le parallélisme varie avec les changements d'assiette du véhicule en roulage pendant le pompage de la suspension. La position de la crémaillère influe directement sur l'ampleur de la variation. Trop haute ou trop basse, la variation est maximale. Le problème est aggravé si la crémaillère a été déplacée à la suite d'un choc. Chaque roue s'ouvre et se ferme alternativement
avec un mouvement contraire à celui de la roue opposée. La position de la crémaillère est en général obtenue par construction. Elle est fixée sur un berceau rapporté ou sur le tablier avant. Dans le cas de la fixation sur le tablier, il faut utiliser un gabarit lors du remplacement de celui-ci. Le train arrière très élaboré de la 605 dispose d'un système de gestion du parallélisme qui produit un effet similaire à celui que donne une crémaillère et que l'on exploite pour améliorer le comportement routier. Chaque demi-train arrière monté sur un pivot est arrêté en rotation par une biellette réglable. Cette biellette permet de régler le parallélisme de chaque roue grâce à un excentrique. Cette opération réalisée, un second excentrique permet de régler la hauteur du point d'ancrage de chaque biellette. Ce montage permet de conserver un parallélisme pratiquement constant, quelles que soient les variations d'assiette et de trajectoire. Un mauvais réglage entraîne une variation du parallélisme qui dégrade la tenue de route. La position des essieux. Les essieux sont caractérisés par leur position sur la voiture, leur largeur appelée la voie, la distance qui les sépare appelée l'empattement. Même si les valeurs de train avant et de train arrière sont correctes, il faut en plus que les trains soient alignés sur le véhicule pour assurer un bon comportement et éviter des usures prématurées de pneumatiques. Deux caractéristiques sont essentielles. L'angle de setback qui mesure le désalignement des roues d'un même essieu. L'angle d'offset qui est le désalignement des centres des essieux avant et arrière. Voici terminé ce tour d'horizon des caractéristiques des trains roulants. Nous avons vu l'importance de chaque valeur et les effets d'un déréglage de celle-ci. Dans le but d'avoir des contrôles de géométrie plus fiables, Automobile Peugeot a développé une méthode de contrôle des trains roulants dite en assiette de référence, contrairement à l'ancienne méthode appelée en ordre de marche. La mise en assiette de référence en bridant les suspensions du véhicule permet d'éliminer tous les problèmes de poids ou d'affaissement de suspension. Cette méthode est diffusée dans la documentation d'atelier.